Salut les amis, c'est Monsieur Josh. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo en compagnie de l'Anthony. Il est là-bas. L'Anthony. Petite vidéo présentation de matos pour débutants, de débutants à débutants, pour les débutants, vous connaissez l'histoire. Hop, aujourd'hui on va vous présenter deux objets qui viennent de chez Decathlon. Alors normalement vous savez que je vous présente des objets qui sont pas chers. Aujourd'hui je vais faire des objets qui sont entre le cher et le pas cher, on va dire. C'est l'entre-deux. Donc là aujourd'hui on va vous présenter le hamac donc de chez Decat, qui est la version améliorée de celui que je vous avais déjà présenté la dernière fois à 10€. Celui-là il coûte 25€, donc on va l'essayer. C'est parti. Pour l'installation, je laisse faire Mr. Anthony parce que c'est son hamac. Il a juste changé les sangles, il a repris les anciennes. Parce que normalement dedans il y a des sangles et des cordes, et puisque je suis pas balèze en eux, on va reprendre la bonne vieille technique de la sangle. Hop. Ensuite on met les... on appelle ça déjà ? Les... les trous. Mais non, les... ah putain. Les mousquetons. Les voilà. Mousquetiques. Voilà, ouais, les mousquetons dedans pour régler la taille, de toute façon vous allez voir ça. Donc ça c'est le hamac, la toile elle a l'air vraiment épaisse, vraiment costaud. Vous avez un petit filet à l'intérieur pour ranger vos effets. Les petites cordes, donc en tout à rajouter ces petits machins. Puis voilà, c'est parti. Le mousqueton. Voilà. Le hamac est posé. Il me fait penser au tien, mais... Hein ? Pas plus grand que le tien, en fait. Franchement, la toile, elle est... plus résistante. Elle est nickel. C'est la toile parachute, je crois. C'est la vraie, ça. Mais elle est vraiment bien. Voilà, donc le petit hamac de chez Decat, 25€, franchement... Ouais. Bien franchement épais. De bonne qualité. Voilà. On va passer à la suite, c'est parti. Tac. Qu'est-ce que c'est? Et ouais, c'est tout petit. Ça va? Ça les amis, un tarp, le tarp trek. Anthony a disparu. le tarp trek 900. Alors, cet objet, c'est pareil. Je vous ai dit, je vous présente des objets qui sont relativement pas chers, mais qui ont un prix quand même. Je dis ça parce que on a hésité longuement avec un autre tarp. Le tarp de chez Decat, le Fresh, qui coûtait 29€ et celui-là il est à 50€. Voilà. La différence c'est que celui-là il est vraiment compact, l'autre était vraiment super grand, t'avais l'impression de trimballer une tente et il faisait 2 kg pour même pas 600 grammes. Voilà. Donc on s'est renseigné, il y a une petite madame qui nous a vendu le produit comme une chef, qui nous a dit qu'elle avait dormi dans la montagne. À 4, je sais pas combien d'altitude avec mètres. Des loups et tout, mais nous on s'est senti con parce que nous on a peur des salamandres. mais voilà, on a opté pour ce tarp, on va l'essayer tout de suite, c'est parti. Donc on a le tarp qui fait du 2,85 sur du 240, c'est presque du 3 sur 3, je pense. Ah, tu fais des trucs comme ça. Ah, plus grande corde. Du coup, voilà. Ça te permet d'avoir un truc que tu peux déplacer. Et c'est direct. C'est pas la même. Les amis, les petites tarpes sont posées, voilà, donc c'est pas mal. Après, je vous avoue, je suis un petit peu déçu sur quelques points. C'est que il manque des renforts entre guillemets qui est présent sur le DD Amoch. Il y en a à peu près 3 ou 4 sur chaque côté. Là, il en manque un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal pour ce qu'on en fait. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo présentation d'objets. Je vous conseille d'aller vous abonner à la chaîne de l'Anthony. Merci.
Mais de rien. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous pour ne pas rater bien la suite de cette aventure. Et puis ciao ciao. Allez, salut.